Faut que j'apprenne un match-up pour Vision, puis ça va être bon. Il te reste juste 4 jours avant de la prendre. Mercredi, jeudi, j'ai perdu le jour, ça va voir. Alright, game donc, Vision Esports dans 4 jours, mais avant Vision Esports, regardons cette finale, excuse, vas-y. Kazuya Mishima contre Bowser, c'est Kazuya quand même. Ça avait l'air que oui, il reste que je dirais que les nouveaux joueurs seraient pas inspirés. Izu, es-tu dans le chat? Non, Izu est dans les airs. En fait, il doit finir son cours en ce moment, j'imagine. J'espère parce que je veux pas, dans ces messages, ça serait dangereux à prendre des mondes à piloter dans la nuit. J'imagine. Mais Izu, en ce moment, il est dans son cours de vol. Il doit être sûrement revenu. À moins qu'il ait planté. J'espère. Si, il va planter pour vrai, je me donne sentir mal. Allez, oui. Ok. Rage Art. Bowser mort. Rage Art, okay. Bowser là maintenant, je sais pas. Down throw. Et voilà, for there. Et voilà, Bowser 1-0-0. Je sais pas, ça sent le game plan, je sais pas. Non, je sais pas. Mais le problème, c'est quand même 3-0 le premier match en Brother GW. Ouais, mais là, c'est W pour Empire. C'est W avec les. Oh my god, Bowser bomb. Down throw. A B, voilà. Fou, il était tellement proche! Il veut le kill, il a sweep tellement proche là! Oh, body eye pour aller en arrière, voilà, parlant de body eye, ça c'était pas beau du côté. J'allais dire rien. J'ai rien dit, il a jamais survécu à ça anyway. Beau texte à plateforme. Faut pas qu'il fasse comme Lucci. Un peu de pressure sur le shield avec frame breath, hein. On approche. Jab! C'est moi pendant ce bout-là, man. Burnley faisait juste appuyer sur le bouton web avec différentes directions. Mais... Ça a été deux fois. Non. Oh, manque! Oui, ça last, hein? Ouais, la stock des deux côtés. Bon, ben, c'est kill even, by the way. C'est Kazuya, c'est. Ouais, non, c'est vraiment pas terminé, fait que. Voilà, for there. Comment qu'on va venir, on sort le laser, W, puis il a pris des prêts que Shield, t'es pas prêt cette fois-ci. Abby, encore le Rage Art du côté de Kazuya. Oh! Ok, ça c'est un bon moyen de se scripter du laser. Comme un grab dans les airs, puis qu'il y a encore le Rage Art avec lui, maintenant j'ai pris ça tantôt. Il attend ses plateformes, mais le problème c'est que ça. Rage Art va bientôt partir, puis voilà, la game 1 est prise. W, grand pas premier match en loser side. C'est un match qui honnêtement était pas son côté, je dirais. Brother J a juste jamais trouvé les combos dans le fond. C'est, il a trouvé électrique, mais c'est un qui DI mix-up à chaque fois. Puis, Ouais, exact, fait que c'est un match de W. J'ai une question, le micro est-tu bon ça? Ouais, c'est pire. Ok. Non, il est débranché, parce qu'on est. Quand on est deux, je mets lui, mais quand je suis seul, je mets lui. C'est compréhensible, mais je pense que le son au moins est correct. Ben, c'est lui que je prends quand je stream. Ah, il est correct, ouais. C'est mon, tiens, j'apporte mon casque d'écoute de streamer, man. Je suis rendu un caster professionnel, j'apporte mon équipement. Yeah. Tu vas tout mettre en costard, là. Exactement, là, on est prêt. En parlant de professionnel, là, on a nos meilleurs joueurs professionnels. Dans la petite vie. Oh, alors, je sais pas si on va sponsoriser encore, là. Ben, W, je sais pas si il est encore sponsorisé, mais. Ben, il était dans Smash 4. Il était dans Smash 4. Mais je sais pas s'il est encore en présent, j'imagine que non. Et là, on est de retour, ça va sur le Bastion, choix de Brother J! Désolé. C'était close. Lui, il est tellement close avec son 4D à chaque fois. Il va lui quitter l'avantage du center stage. Ok. Rage Art. Bonjour. Oh, l'espèce de down angle. De down. What? Il y a du armor. Oui, mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a du armor aussi, c'est la version normale. Ok. Qu'est-ce qu'il y a de l'armor, c'est 100% c'est mou. Ouais. Et voilà. Ça aurait pas été une bonne option, mais c'est juste. Quel bon. Ouais, mais W, il a juste read jump, puis il est 4D. Yeah. En fait, je sais même pas que W, s'il a read, parce que je pense juste qu'il voulait juste jump 4D. Ouais. C'est juste le fait qu'il a fait son laser, ça a comme fait t'arrêter plus cool. Dude, W, en ce moment, qui look kinda on fire, il répond. Tout en réponse de Brother G. Est-ce qu'on aura la win de W depuis un bout, ma sœur? Je pense que la dernière fois, là, mais. La dernière fois, c'était Ricky qui avait gagné. Ouais, la dernière fois, c'est Ricky qui a gagné. Et W, ça fait. Il est tout le temps en top 3, mais. Ça, je recheck, man. Ça, je recheck. Oh, qu'est-ce qu'il a fait son Rage Art? Tu voyais, genre. Il essaie de passer à travers les flammes. Hein. Ouais, c'est un bon moyen. Ben voilà, le 4 tilt, Brother Jake, il. On le voit un peu dans la caméra. Il a l'air quand même de tilt. Exactement.
Oh my god, quel rhythm! WWE, t'as un spacing parfait pour juste bait l'Electric Godfist, Bowser Bomb. Abby, on s'en va de mon côté par exemple. Je crois qu'il a été kill par Abby, fait que n'importe le bar qui aurait été, il était mort anyway. Oh! Et voilà, on drop down for there et on meurt! W2-0. W qui est juste. Oui, ça, il y a tellement de momentum sur son bar, je demande si Brother G va avoir switch pour son match. Honnêtement, je pense qu'il va pas. Il y a des chances de switch chicken. J'irais peut-être laisser une dernière chance au Kazuya pour le match 3. Parce qu'il peut se faire reset, il a le temps. Il peut se faire reset, c'est ça. Lui, il a 6 games. Mais là, le danger, c'est que si tu switches pas tout de suite, tu fais encore roll. Genre, tu as zéro momentum pour les 3 prochains matchs. C'était mieux de switch tout de suite. Puis même si peut-être que tu vas perdre, au moins tu carry un peu de momentum pour la reset, on va voir. Ouais. Ça va se quitter, exactement. J'ai oublié de switch la caméra, mais voilà. C'est sur votre caster. Commentateur, pas caster, man. Pareil. Fait qu'on est prêt pour le troisième match de Body en ce moment qui est à un match de reset de manière assez vraiment convaincante. Ouais, normalement qu'il y a eu 30% en tout. Ouais. Ah, c'est con. Moi je casse pas ça tout les jours. Un Bowser fait ça en un hit, man. Spike qui a pas touché, c'est quand même triste. Ben moi je te dirais que c'est un Brother G classique ça. Le Spike qui spike jamais. Il spike. C'est rare, j'avoue vraiment kill avec son dernier, puis je sais pas comment il marche, mais. Ça... Ouf. En ce moment, Brother G qui a réussi à repoigner le momentum de son bord. W, qu'est-ce qu'il peut faire? Voilà, Shuriken. W, c'est pour qu'il keep his composure. Et j'ai assez confiance que W peut le faire. Happy sur shield. C'est pas ça. Moi, je casse pas du Ken d'habitude, étrangement. Pas tout le temps avant. Ouais, c'est ça, t'es pas sorti avant. Pas sorti en mode. Fait que, encore là, B, dash, attack, point à la fin, focus. Ça, est-ce que c'était true? Pas si true, ça a l'air. Mais lui qui rit. Tu trouves ça drôle de se faire péter? Ouais, mais il reste que ça. C'est Bowser, ça peut quand même revenir vite. Ouh, je pensais qu'il allait survivre, mais il n'a pas survécu. Manque le tech de W. Vu qu'il manque le tech, fait que c'est 3-0 Brother G qui prend le premier match. Il évite le reset. Wow! J'étais sur mon téléphone 2 secondes. Moi, ouais, dans le fond, W s'est fait. Il a manqué son tech sur la plateforme. Puis tu le sais, puis. Run it back. W qui parle de la musique. Of course. Je pense que c'est quoi d'autre? Il essaie d'enlever son mind match, que ça n'a pas très bien été. C'est ça important. Oh, ouais. Il fait juste oublier ce qui s'est passé, puis il passe à la prochaine étape. Ah, oh, c'est une bonne façon. Exact, fait que là on est prêt pour le match numéro 4. Brother J qui perd 2-1. Il peut-être va faire reset, mais le dernier match a tellement été pour W. Pour Brother J que je dirais que c'est 2-1, mais focus pour se sortir de cette situation fâcheuse. Dernier. Nair. Attends, par contre, qu'on a pas eu Saloum cette type aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux dire? Avant Vision Sport, t'aurais pas vu venir. Ben, il fait son doctorat, man. C'est vrai. Je viens de faire un doctorat. Joue à ce match. Ben, je veux dire, ouais. Ça fait que c'est une chance. Mais il va être là, Vision Sports. Ouais, c'est ça, ouais, c'est une vision. J'ai pas un doute des capacités à Saloum d'être bon, même s'il s'est pas réchauffé aujourd'hui. Je pense qu'il va être correct. Ouais, je pense. Des grosses chances de bon lieu. Ouais, je sais pas. Ça dépend, on va voir. Ouais, c'est très vite, ça va être un gros tournoi, ça. Ça va être un weekly stack. Ouais, exact. Ok, plus d'argent en jeu. Ouais. Et moi, je le souhaite, mais bref. Et je vais être en soupe. Non. Ouais, il m'a donné un soupe, man. Je suis en tête toute la journée pour faire professionnel. Let's go, man. Soupe, man. Le moyen, là, d'être confident, t'écoutes Million The Rise of Guerrero. Non, c'est correct. Non, c'est bon, man. On est en stage, les deux ont pris un stock. Zola, on t'a fait dire des niaiseries dans le commentary. Sorry. Il call le caster, tu peux le quoi. Ouais, bon point. Et voilà, fait que là, Flying Slam, on est off stage. On shield sur le W, on attend l'option back air, voilà, on read le roll. En background, on est en key let's go, mais pas pour le match de final. Oh my god, comme une espèce de DI mix-up avec le Shuriken, mais on survit quand même. C'est Bowser qui n'a pas de rage, mais. Il a big trade au début. Ok, ouais, Shuriken, en ce moment, il est vraiment steel. Fait que... Ben, il faut dire aussi qu'il y avait zéro rage. Là. Ouais. Ken sauve à Shuriken, mais je sais pas pourquoi il cancel pas, mais Hadouken dans cette situation-là, ça aurait été rapide. Ah, je pense que ça aurait été mieux quand même de cancel dans Hadouken. Peut-être qu'il va surprendre et dire, je vais jump. Shuriken, et puis on laisse la fin dessus. 28% par exemple pour Brother J, fait qu'il n'y a pas un gros pourcentage. Il y a des grosses chances quand même d'aller Game 5. Exact. Game 5 versus 7. On est retour égal. Nair, backer, non, le backer qui link pas. Oh, jump, flying slam.
Flame Breath, le Shoryuken. Or Tilt. Ils vont venir, ouais. Prodigy, il y a un bon Ken, on utilise tous les outils devant lui pour venir. Ah, ok. Devant lui qui va juste get the fuck out of there. Dude, he's move! He's moving! Oh. Ouais, on l'a cherché au mauvais moment. T'as vu la grimace en pensant, mais. Let's go. Oh! Le perfect shot le premier, pas le deuxième! Ben, il s'est d'avoir le deuxième, désolé. Je vous ai trouvé les mots. Oh, back yeah! Un vol de. Alright, game 5 first. Un vol de Brother G là-dessus, il était en longtemps. Fait que, ouais, man, Brother G a volé ce match-là. Il était en avantage, puis là, il. J'avais juste un comeback qui a volé la game. Il a juste. Ouais, c'est un comeback. Ben, ouais. C'est un peu la même chose dans mon livre à moi, mais moi, c'est un meilleur terme. Ouais, c'est ça, c'est plus professionnel, Big G, là, hein. Et voilà, on est prêt pour le match numéro 5. Est-ce qu'on va avoir un reverse trio de Brother G pour gagner le tournoi ou est-ce qu'on va avoir le reset? Au match 3, on commence avec un 4 air. What? What? Est-ce que je peux mettre la musique de Mother là-dessus? Genre le. En vrai, en Duken qui permet de s'enlever un peu du vestiaire du W, c'était quand même une bonne idée. Ah, voilà, dernière. Je veux chercher la back air! Il fait un chanson qui est pas mort, back air encore. Ça, c'est du beau mix-up. On donne un peu plus de pourcentage, question de donner du rage à Ken. Mais finalement, il n'y en aura pas de rage. Beau back air, W, 53% pour Bowser, c'est vraiment low pour Bowser. Oh! Shot pressure, Abby. On finit le spot dodge avec l'Abby. Oh, là, cette fois-ci, c'est Brother G qui va le punish. Ok. Mais ben, dire... pourquoi il va pas faire des Force Smash? Force Smash est tout le temps true, je pense, après Carson Kick. Pas sûr, je suis pas un expert de Ken. Mais wow, j'ai ramené Shuriken, là, il a Shuriken. Et voilà. Donc là, on retourne pratiquement à zéro. Un stock de chaque côté. J'entends juste à de manette, ça me fait. Bref. For there. Ouh, il est pas venu sur le ledge. Bobby avait une opportunité de punish. Mais non, il était dans les airs. Hein. Like, he just don't care. Même Brett. Ok, ça va voir. Non, tu clashes là-dessus une chance. Yes, oh, non, t'as pas du manque, c'est pas déjà là. Il va pas dormir à soir à cause de ça. À moins s'il gagne. Il va backer encore. Les deuxième kills de backer dans le match. Là, en ce moment, ça part vraiment beaucoup mieux pour un reset. W qui s'est réveillé. Ouais, avec Ken, c'est pas là par exemple qu'il fera un comeback. Et voilà, c'est pas comme Kazuya que c'est du touch up. Ouais, mais tu sais, il reste que c'est quand même un personnage qui est dangereux. Là. C'est sûr, oui. Surtout ces exemples de W, il n'est pas capable de trouver le kill à la fin, puis là il y a du rage, puis il peut come back à cause de la rage qu'il peut avoir. Yeah. Ça fait que. Normal. Ledge situation pour W, qu'est-ce qu'il fait? On décide de faire l'attaque. C'est quoi encore? On jump cette fois-ci, on prend le center stage. W qui est très vite pour prendre le center stage. Double jump, okay. Down air. Pas le gros hit du down air, mais au moins un pourcentage d'un peu de dégâts. Oh my god, le raid du roll. Reset. C'est reset time. Hein. Non, c'est correct, j'ai un clip. Tu peux pas faire ça. Fait que, reset time. Je vais faire mes 2-3 affaires. Bang, bang. Bang, bang, bang. Let's go, Brother John. Reset time. Let's go. Il mange sa Kit Kat, look at him. Exact. Peut-être son power, c'est la Kit Kat. Oh. On sort Kazuya en passant. Il avait juste besoin d'avoir du fuel. On sort Kazuya. Ouais, en vrai, ça va. On va voir honnêtement. Est-ce qu'il va sortir Terry Bogard? Je pense pas. Non. Après, il va sortir Terry contre W. Alright. Ah, ok, ça nous c'est les. Flame Breath, Laser. Perfect Shield. Je pense que c'est W maintenant, il y a le timing Perfect Shield. Il va juste rester en bas, prendre son shield. Kazuya, c'est ça le seul truc qui fonctionne. Abby, voilà. Prendre safe. Son ledge. Crouch, on fait le back air, on manque le back air, flank slam, on va au milieu. For the air, on met pas si tôt du côté de Kazuya, mais on est sur le ledge, W, il attend l'option. Là, c'est vrai, ça. Là, il y a Rage Drive, fait qu'en bord de ça, j'ai pas de tuer. Ouais, mais là, Bowser, il y a flank slam aussi, mais il est non. Kazuya est vraiment lourd. Kazuya est plus élevé que Samus pour donner une idée. Qu'est-ce qu'on va faire? Up smash! Electric bas! Electric up B!
Non. Abby, je pense que ça va marcher. C'est un bon point. J'ai quand même confiance à Brother G et ses strings, là, mais ouais, là, je pense qu'il est mort. Ouais. Il failli pas mourir, ça. Ouais, il failli pas mourir, ouais. 158 pour Bowser. Là, le Bubba U, c'est prendre du dommage. Plus de dommage que tu prends, plus que tu rends ta job. Parce que oh, chill break! Tu vas-tu crever, honnêtement? Non, non, mais non, c'est Bowser. C'est casse-vieux. Mais il y a tellement de rage, donc, j'ai rien dit. Il y a tellement de rage, Bowser, c'est pour ça que j'avais comme une hésitation pendant quelques secondes. On entendait la grosse essence de manette, entre parenthèses, péter sa manette. Oui, il y avait. Il était à zéro, man. Tu pouvais pas sortir de là. Voilà, B. 64%, donc c'est pratiquement tous les pourcentages d'un fort match. Oh, encore là. W qui utilise très bien le wait for it. Trump, et voilà, son troisième. Son troisième, le Trump de la soirée à W. Ah, mais le Trump, c'est que la petite fille commence à servir de ça, mais c'est tellement fort. Je dirais qu'être un backer exceptionnel comme Bowser, oui. Aussi, ouais, aussi. Je pense que c'est un backer de l'année. Y'a-tu pas des backers qui pètent pas les coups? Pas moins. Y'a pas des backers, le but c'est quand même fort, c'est Samus un bon backer. Samus un bon backer. Mario pète pas, tu sais pas. Mais il est correct, Mario. Il, ouais. Il est bon, c'est juste. Oh, oh, oh! Oh! Désolé, on est, comme coupe ton commentaire, comme un combo hype, oh, backer. Sais. W prend un 0. Je pense en vrai, ça re-switch sur Ken. Il voulait réessayer d'avoir. Réessayer le Kazuya après le reset. Pour moi, c'est la meilleure mentalité des shit de même. Puis, il va retourner sur Ken sûrement. On va voir. Terry Bogard. Non, je. Mais ok, peut-être là, mais. Non, je vais juste niaiser là. Terry! Les pratiques sont terribles, il pourrait sortir un jour. Il pourrait sortir, mais il sort, il va jamais sortir contre Captain W. Un Grand Final Reset, ce serait surprenant. Il pourrait sortir contre W, genre en, peut-être à un moment donné, mais peut-être pas dans cette situation-là. Ouais. Là, on est prêt pour le deuxième match de cette Reset, W 1-0. W, je pense que 100% du temps, il commence un match sur Small Battlefield, il va vers l'intérieur, Force Smash. For the air, désolé. C'est comme 100% de ses... Mais tout le monde fait ça. Tout le monde descend la plateforme, fait que... Pas moi. Non, mais toi, tu changes. Non, non, moi, je run forward, there. Tout le monde descend la plateforme automatiquement, c'est plus ça. Ouais. C'est pas autant un bon de tout. Peut-être pas Steve. Non, mais Steve, il est. C'est ça. Combo de Ken. Oh, il peut pas compléter. W qui revient, 105 contre 40. Pour, que pourcentage? Bowser, un peu de rage. Ok, je suis. Oh, il est punish avec un. 5 slam. 5 slam exact. Man, ça. Ça fait des rush hurricanes dans tous les sens, c'est pas tant la meilleure affaire à faire. Manque shuriken. Oh, W qui manque le punish encore! C'est deux fois qu'il manque un shuriken punish. Hein. Ah, là, il manque encore pas, là. Pas un jamais 203, là. Il allait l'avoir cette fois-ci. Ok, 40, ça 150, ouais. En plus, j'ai changé de score pendant quelques secondes. Il est pas une stop, ok? Ouais. Bah, Whirlwind Fortress, on trade là-dessus. On pousse un vers Hadouken. Whirlwind Fortress encore. On trade encore là-dessus. C'est Trade City, man. Le Ken, dans son habitat naturel, adore effectuer le trade. Ouais, Ken, c'est un GM. Ken, c'est un GM, man. Il fait des trades sans arrêt. Oui. Oh, shit. Non, ok, je suis break. Ça, ça shit beauté, man. Ouais, beauté, beauté, par exemple, sur stage. Oh, voilà, Shuriken. Alright. Fait que là, Brother Jake a pris un peu le contrôle de la situation. Il y a un stock d'avantage en ce moment. On essaie de read avec l'up smash, ça n'a pas marché. Backer, nope. Voilà, flying slam sur la plateforme. Ok, bon. Il va disparaître tombé. Ah, je sais. Là, on a up smash des heures. Comme, encore right. Le grab, near. Ah non, up air. C'est Bowser. C'est Evan. On est autour à Evan assez rapidement. C'est un avantage. Oh, beau mix-up de recovery du côté de Kendo pour venir. Oh, Kendo. Brother J. C'est le Brother J. C'est ça, Ken. Flying slam. Okay, on reste en vie. Good mix-up avec le focus, si. Oui, je cherchais peut-être le B, mais il l'a pas eu. Oui. C'est un stressant comme situation. Token? Aïe! Oui. J'étais pas sûr pendant quelques secondes s'il allait l'avoir.
Fait que là, on est prêt pour le match Heroes 3. Il y a des joueurs qui se complimentent. Ils vont peut-être. On est quand même trop fort. on est deux. On est là en deux légendes en ce moment. Bon, on va bientôt s'acheter des fleurs, j'imagine, puis genre, c'est lancé. Battle of Z, man, vous allez. Loser run 1 top 8, tu s'achètes des fleurs avant le set. Ouais, Brother J va être là. Je pense que le volume va être là. Moi, je suis là. Dr. Nice est là. Ça veut dire que c'est. Apportez vos calottes et vos autographies. Dr. Nice va graphier votre stock là. Il va avoir une file genre de 150 personnes pour signer pour que Dr. Nice signe nos affaires puis même Kilo va être à côté, il va pas un chat. Donc je suis un speedrunner puis je joue à Smash 2, c'est incroyable. Bref. Ouais, on est prêt pour le match. Maintenant que notre funny commentary de début de match est passé. En 10 pour. On utilise le tatou pour rester en vie. Habit. Fait que oui, on connaît le pourcentage, vous voyez qu'on voit que Bowser il perd, mais je veux dire, il perd pas, inquiétez pas, vous garantissez que Bowser il perd sur son perte. On read dans Color Roll. C'est vrai que là pour read, il y a 2-3 fois qu'il a manqué au dernier match par exemple, puis genre up smash, puis il y a pas de roll. Ouais. Mais quand il a, ça fait beaucoup de dommages. Non, ok. Shuriken. Archer Shuriken prendra le stock. On est retour à Even. Wow, ça c'est un beau mouvement avec lui. Bon, il me voit pas la caméra là, mais. Et les deux chase un peu. Dans le Jake combo, on finit avec Hadouken. Dans un bon drop, sinon ça aurait peut-être été un lock. Ok, back air, ça fait attaque à son back air. Ça fait quand même beaucoup de dommages. On cache le jump. Ok, ça réussit à faire avoir l'extend. Le Shuriken qui est pris. Dans le Jake a pris complètement de momentum. Là en ce moment, pour que W trouve une solution. Abby à The Shield est un bon départ. C'est une bonne solution ça. Mais tu sais, il peut pas kill à Kobe à le shield, fait qu'il faut qu'il trouve quelque chose d'autre pour chercher la hit. Ouais, ça va aider, mais ça va pas kill évidemment. Ça va pas kill, mais ça reste, ça l'envoie dans une situation de merde, Iris. Tech, qu'est-ce que c'est quoi la musique de fond? Je sais pas, je pense que c'est Eat comme quelque chose. Faudrait que je confirme. T'as mis quelle série en tout cas? Au pire, ils ont pas changé de tune depuis environ Snatch. Oh, Shuriken? Oh, on se retrouve du côté de W. Fait que Pixel, tu checkeras au début du prochain match. En haut dans le coin. Destination finale, bref, la musique de Mario RPG. Non, c'est pas Grand Finale qui joue. Grand Finale est here. Non, c'est pas ça qui joue. Pour Troy, voilà, W. Mais ça reste que W en ce moment a vraiment beaucoup de momentum à repoigner. Ouais, ben je veux dire, trade, Flying Slam. C'est quand même Bowser, c'est pas l'affaire la plus dure, c'est pas le caractère le plus dur à pas. Mais tu survis dans longtemps que. Tu survis longtemps mais pas à ça. Essaye de trouver le titre de la toune à. Ben ça c'est la toune de victoire de Street Fighter. Je pense que ça a décrit la toune. Eat Ace Shadow. Ça vient du genre de Tekken. Je pense que oui. Rock solid. On se commençait déjà? Ouais. Ça retourne plus sur mon Battlefield. Ah ouais, je sais. Eat a Shadow. Alright. Maybe last game de ce tournament là, si Brother Jim est à la close. C'est une toune de Tekken 7. Une toune de Tekken. Évidemment. Parle-nous du lore. Tekken 7? Non, mais t'es pas en Grand Final, peut-être le dernier match. J'en fais plaisir dans le futur par exemple. Oh, 4 sorts de tatou, avec un autre down. Ça a failli nous affaires force, mais never mind, c'est pas cold true. 29 à 68. Qu'est-ce que le W peut faire? Ben, je dirais qu'il attaque du ledge pour empêcher Ekin de faire sa bullshit, c'est bon. Mark Shuriken du mauvais côté. De chez les bas. Le W peut être aussi agressif. Oui. Yes, c'est ça, Tekken 7, c'est ça que j'ai dit. Il y a 7 Tekken, c'est pas Tekken 7, c'est 7 Tekken. T'as fait plus que 7 Tekken? Il y a Tekken 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, puis il y a deux Tekken Tag Tournament. C'est un 2v2 fighter de Tekken. Hein. Ah ouais, plus Tekken que Street Fighter. Moi, ça c'est plus Street Fighter cross Tekken par exemple. Ok. Alright, pendant qu'on parlait, le Shuriken a débris. Exactement, donc on a Bowser Flying Slam. Ok, never mind. Non. Il aurait peut-être dû aller sur la plateforme de. Ça va plus vers l'eau, fait que maybe ça aurait tué. Mais je pense que c'est peut-être Brother G qui avait le contrôle. Hein. Ouais, c'est vrai, il y avait le contrôle, ouais. Ouais, Flying Slam encore. Tu peux avoir le contrôle de ça.
Mais c'était pas un jeu Pokémon Tekken? Non, c'est Pokken. C'est Pokken. C'est le même studio, mais je veux dire, c'est pas un Tekken en théorie. C'est ça. Ça, c'est que pas. À part Pikachu, c'est un Mishima, là. Pikachu, c'est un Mishima, man. Il y a Electric Godfist dans Pokken. Non. Ouais, Pikachu, il y a Electric Godfist dans Pokken. C'est incroyable, je vois ce jeu-là. Pendant qu'on parlait. Non, tu sais qui a été pris, ouais. Brody G qui a réussi à pogner quand même un gros en même temps, mais c'est Bowser, voilà, c'est précis. Pendant que je voulais dire ça, ça y est. C'est devenu even. Oh! 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 Ok, non, ça pogne l'autre affaire. Bon, est-ce pas dodge pour pogner le ledge? Oh! 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 Bowser, il est face à Zell, hein. C'est que Bowser va oublier. Abby. Le bruit qui avantage d'un stock, sont... je pense que peut-être tantôt, tu sais, tantôt t'as dit, ah, ça va sûrement être 10 games, on est parti pour ça. Ça part crispement bien, oui. Et les deux joueurs jouent extrêmement bien, je me disais bien que ça allait être. Oh, dernière. Okay. Ça allait se retourner les games, c'est vrai que ce soit last game du tournoi. Tac. Hurricane. Actro. Le bruit où c'est offstage est agressif. Oh non, c'était... non ça c'était ça, ben trop. C'était ben trop greedy, mon chum. Et là, c'est peut-être un momentum swinger, là. Ou peut-être pas. Ou peut-être Nevermind. Ok, non, pas Nevermind. Fortune. Non, Fortune. Faut engager un kill, fait que tu peux prendre le pourcentage. Oh, wow, le trade! Game 10! Le trade du hit là-dessus, fait que là, on est game 10. On a gagné des 4-4. J'ai mangé une 4-4, là. J'ai aussi rappelé que le tournoi de Fighting Game de dimanche, j'ai commenté toute la journée, il y avait aussi deux fois, ça fait deux fois les Grand Finals des Game 10 aussi. C'est vrai. En vrai, en fait, pas exprès pour rester ici le plus longtemps possible. Ça ne voulait pas me parler de l'autre bord. Alright, last game de ce tournament. C'est quand même un gros tournament qui avait beaucoup de monde. 7 joueurs. Hein. 7 joueurs, puis c'était tout du monde. Assez high. Hein. C'est ça, ouais. Ben, high dans le sens d'un classement, pas qu'il était gelé. C'est d'accord. Everybody was high, c'est honte. Anyone est prêt pour le dernier match. Ouais, ok, ça commence avec Flame Breath. Ça met déjà le moment dans la game. Mais ouais, exact. Flank Slam. Fait que là, on est à 36 à 0. For the air. Ça pump Flame Breath. Ça pump. Ok, ça. Oh, le read! C'est marché. Le back air! 100%, man. C'est ce qu'on aurait dit au bout de. Je pense pas, non. Ça va aller. Je savais que la B allait tuer la bannée. La B. Oh, il est là! L'erreur de positionnement! Ah, t'es tellement chanceux pour W, ça, mais. Ok, ça essaie de pogner un rigueur pour l'extérieur de combo. Ça a pas marché, malheureusement. Ça essaie de pogner un Duken. Mais Brother G a fait un beau comeback là-dessus. Oh, manque le 4 kill! Ça essaie de pogner un peu. Ça punch sur Luken! Ah, mais par exemple, c'est un beau extension. Non, on est retour à égal là! C'est quoi c'était? C'était genre le coup de pied dans les airs. Ouais, mais ça voyait du mauvais pas, c'était c'est weird. C'est ça, ouais. Ok! Ok, ouais, non, Shuriken était pas assez. Bon, trade! W va le prendre, 165. Fait que là, W, évidemment, je pense pas qu'il va vivre bien longtemps à 65, mais s'il peut pogner 2-3 hits de genre là, puis prendre un avantage. Hein. Oh! En plus, il est en bas là! Il n'aurait pas dû le pousser? Ah non, parce qu'il est mort! Ah non, ça fait vraiment mal. Littéralement. Et que là, W qui a avantage de 2 stocks, il est à 165. Donc, man, imagine, on a un comeback game 10, ça va être épique. Si on a un comeback de tout ça, ça va être vraiment incroyable. Ça va être vraiment dur. Si W fait juste spam for l'air, puis derrière terre avance. Ouais, là. Non. Il fait chaud, lui, il est SMP, je pense. Oh non. Mais, W qui cheese la fin. GG, c'est pour W qui a win son premier bracket depuis un bout. Ouais, c'est vraiment plate par exemple, c'est des sommes de même. Ouais, c'est vrai. Mais juste, il l'a pris et c'est bien correct. C'est dur de jouer quand t'es 3-2, 3-2. 3-2 W, 3-2 W. Fait que c'est ça qui est ça. Belle victoire de W. Et enfin, il y a SD. Par exemple, pour être honnête, il s'est fait SD 2-3 fois dans le tournoi par Kazuya. Fait que ouais, il a rendu la monnaie de sa pièce. Il a sorti Rod back, là. Exactement.